Bonjour et bienvenue dans cette vidéo formation grâce à laquelle vous allez pouvoir apprendre à compresser un fichier avec WinRAR en plusieurs parties. Donc pour ceci, vous devez avoir téléchargé et installé au préalable le logiciel WinRAR, puis cliquez droite sur votre fichier, puis ajouter à l'archive. Nous allons donc choisir la méthode de compression, donc normale, puis taille des volumes. Donc, il faut savoir que ici, nous devons exprimer la taille en octets. Donc, 1000 octets égale environ 1 kilo octet et 1 million d'octets égale environ 1 méga octet. Donc, nous allons regarder la taille de notre fichier que nous souhaitons compresser en plusieurs parties. Clic droit puis propriétés. Ici, 2,32 mots. Donc 2 437 544 octets. Donc si nous souhaitons le découper en deux fichiers, rien de plus simple, il suffit de marquer 1 million ici. Puis cliquez sur OK. WinRAR compresse l'archive et comme vous allez le constater, l'archive a été compressée en trois parties. Les deux premières parties faisant 976 kg, puis la dernière de 379 kg. Pour décompresser l'archive, sélectionnez Part 1, puis extraire ici par un clic droit. Et voilà. Vous savez maintenant compresser un fichier avec WinRAR en plusieurs parties. Bonne continuation.